Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Nous allons assister en direct au passage de la flamme olympique. On les applaudit, on les encourage. Il va devoir allumer la vasque qui va brûler pendant 17 jours, pendant toute la durée de ces Jeux Olympiques. Bonjour, je vous appelle parce que je dois créer... Ils m'ont mis en attente, là. Excusez-moi, je suis au téléphone. Je sentais que j'allais pouvoir conclure avec une jeune fille charmante. Alors je lui dis... Écoute, poupée, depuis tout à l'heure, je te regarde et je te trouve très avenante. Je trouve que tu ressembles un peu à un bon boudin blanc bien gras et bien juteux. Ou à une belle andouillette bien fourrée au sein d'eau. Je voudrais... Oui... Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui avait vraiment fait un travail formidable sur le projet. Et là, je veux bien sûr penser aux infirmières. Catherine, t'es là. Merci, ma Catoche. Merci pour la petite robe trop mignonne, là, avec le décolleté au niveau du cul. Merci. Merci, mon Dieu. L'exploit, justement, inédit, va-t-il le réussir? Vas-y, mon petit Bertrand. Alors, il faut préciser quand même qu'il y a... Attention, là. Sur ta gauche, il y a quelques tons. Ne regarde pas. Mais alors, le plus frustrant quand t'es belge et que tu vas en France, c'est ce genre de Français qui se sent systématiquement obligé de nous dire « Allez, t'es belge une fois !» Ouais, toi t'es con tout le temps. 50 nuances degrés. En gros, c'est l'histoire d'un monsieur très très beau, hein, et très riche, enfin surtout très riche, qui initie une jeune fille très prude aux joies du sadomasochisme. Voilà, c'est-à-dire que la jeune fille, elle fait « Oh non, 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 non !» Puis après, il ouvre son garage, elle voit une quinzaine de voitures de luxe, elle fait « Oui, 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 oui !» On applaudit, mesdames, messieurs, les trois lauréats de cette soirée olympique